printemps 1969, 201 pilotes se retrouvent sur le circuit Bugatti du Mans. Ils disputent les épreuves qualificatives de la Coupe R8 Cordini. Seuls les 40 meilleurs sont retenus. Ils pourront courir les 14 épreuves de la Coupe. Chaque pilote a 2 heures pour se qualifier. 1 heure d'essai libre et 1 heure d'essai chronométré. Il est jugé sur ses 5 meilleurs temps. Une bonification de 5 secondes est accordée à ceux qui tournent sous la pluie. Ils vont se succéder sur la piste par groupe de 25 pendant 3 jours. Ceux qui seront qualifiés auront une chance de se faire connaître tout au long de la saison. 201 pilotes jouent leur avenir. Ils rêvent tous de devenir célèbres, mais tous ne sont pas prêts. Tu as Gibon ? Allô ? Votre route départ dans 2 minutes. Chez nous ! 2-8. Il est venu tout seul, sans aucune aide. Il a rencontré hier soir un mécanicien qu'il assiste sur la piste. C'est un garçon qui n'est pas bien dans le coup, hein. Il n'est pas très au courant du pilotage. Il n'y a pas longtemps qu'il a cette voiture. Il a un temps comme ça qui est un peu, c'est un peu humide, un peu gras. Un coup de volant un peu tard, un coup de frein un peu tard. Puis c'est la catastrophe d'ailleurs, il a déjà fait un tête à queue. Vous, vous avez dit. Hein, hier il en a fait 15 dans la matinée, pareil, il nous a dit. La peur joue, hein? La peur énormément, oui. Énormément parce que c'est la première fois que je cours sur piste et c'est très très dur. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Rien, j'avais une 4L et je m'amusais à faire des temps ahurissants mais en montagne. Ahurissant en montagne, mais jamais sur piste. J'avoue, c'est quand même très très effrayant. C'est la première fois. C'est la première fois. Et je pense pas du tout être qualifié. Mais ça compte beaucoup pour vous, la compétition automobile? Oui, pour moi c'est tout. J'ai une profession et puis si je pouvais la lâcher pour être coureur automobile, je le ferais. C'est quoi votre profession? Boucher. Je crois que c'est peut-être un garçon qui est peut-être pas très conscient du problème que représente le pilotage et c'est impur, quoi. Il ne fut pas qualifié. Tous ces gens, ça vient d'où? Des amis, des copains, des copines. Vous connaissez votre temps? Je sais pas, au moins 2,40. Bien, votre meilleur temps, c'est 2,39,5. Ouais. Vous êtes donc probablement pas qualifié. Ouais. Vous n'êtes pas qualifié pour le moment. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant sur le plan compétition? Oh, je vais faire du vélo maintenant. Vous avez quel âge? 27 ans. Et c'est votre première compétition? Ouais, ouais. C'est très tard. Ah, ouais. Voilà. Ça fait longtemps que vous avez envie de le faire? Ouais, ouais. J'ai déjà eu des Cordini, tout ça, mais j'ai jamais tourné. Mais compétition? Non,
Ah oui, ça fait longtemps depuis que je suis reste. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? La monnaie. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis chauffeur poids lourd. Et je suppose qu'une grosse partie de vos revenus passe à temps. Tout m'est revenu, pas une grosse partie. La piste de décélération, vous devez la prendre avant la pendule. Bon, d'accord, ouais. Hein? Ouais. Non, mais je pouvais pas couper parce qu'il y en avait un qui était à ma droite. Il est arrivé ici avec son cousin et une amie. Professeur de ski, il n'a jamais couru sur un circuit. Il faut la balancer, alors que dans le musée, il faut passer couler. Il y a un décalement sur la route, Il faut pas être trop. Et attention à l'extérieur parce qu'il y a du dévers. Oui, parce que peu après, il faut le sortir à droite pour l'attaquer, la chicane. Exactement. Bon, d'accord. Et puis, alors, et là, celui-là, il est bien. Vous laissez dérouler à gauche, mais attention au dévers. Et celui-là, là. J'ai l'impression que ça va être sévère, parce qu'il y en a qui vont... C'est assez élevé comme niveau. C'est pas fort, hein? Oui, c'est bien meilleur que l'année dernière. On peut y aller? Bon. Décollez-vous derrière, ah bon? Ouais. On peut mettre la radio, si vous voulez. Vous arrivez d'où, là? De Morzine, en Haute-Savoie. Vous avez fait, vous êtes parti quand, de Morzine? Hier après-midi, à 2h. Vous avez fait 800, 900 km? 800. 800 km? Et vous partez et tout de suite, vous prenez le départ de la course. Oui, tout de suite. Bien, le pilote qui conduit cette voiture, c'est un ami à vous, c'est qui? C'est mon cousin. C'est votre cousin. Vous êtes mécano? Non, pas du tout. Et il n'a pas de mécano? Non, pas du tout. Bien. Et avec quoi vous prenez vos temps? On n'a rien. Vous n'avez pas de chrono non plus? Pas de chrono. Ah, très bien. On va en trouver un. C'est bon là, s'il continue comme ça. Pour dès qu'il descend à 2,30. Ouais, mais. À mon avis, il fera 2,32. Et moi, comme je le connais, il va bourrer, puis il va se planter. Non, il était à 2-3 secondes de la 19 que t'as pris. La 7. Moi, ce que je veux, c'est la 7. Il était devant ou derrière la 7? Derrière la 7. Derrière la 7. Ouais. Juste derrière? Je sais pas. Il y a quand même 36. C'est Chapri, là? Je l'ai loupé, mais il est... Ah, qu'est-ce qu'il s'est dit? Prenez. Voilà. Ah, j'ai tombé en panne d'essence juste là. En panne d'essence dans le dernier tour? Oui, il y a tombé en panne d'essence dans le dernier tour. Comment ça s'est passé?
ben bien, on va voir maintenant plus quel résultat. Hein. Vous avez fait un 2.35 quand même. 2.35, oui, mais je peux pas tourner plus vite. Enfin, si, il y a le premier virage que je loupe là-bas. Il fut qualifié 40e sur 40. Je crois pas que je peux tourner plus vite. C'est juste, hein. Quand tu penses que t'es pas qualifié avec 2.35. Oh, non, c'est d'office, ouais. Non, puisqu'il aurait fallu faire, mais c'est toujours pareil. Moi, le moteur, il est d'origine. Je te dis, il a rien n'est équilibré, rien n'est raboté, rien. Il est d'origine. Mais non, mais c'est pas ça quand même. Oh, si tu montes, mais si, tu montes moins vite en régime, un peu moins, mais quand même, ça te fait rien du tout. C'est dégueulasse, c'est pas du boulot. Non, mais tu prends ton John, te casse pas la tête. Pendant la course, tu prends tous tes tours. Tu fais quelques tours au ralenti, tu les prends. Si ça te casse, ça ne fait rien. Tu m'écoutes. Essaye. Allez, vas-y. Vous avez l'air de beaucoup le pousser. Oui, parce que j'aimerais qu'il réussisse, oui. S'il réussit, ça deviendra un but. C'est un métier qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Maintenant, il est agent technico-commercial. Alors, je vous ai entendu lui dire, vas-y, pousse ta voiture, si ça casse, ça ne fait rien. C'est normal, parce que je n'ai pas envie de le démoraliser, puis je le pense. Ça n'a aucune importance, il est là pour pouvoir faire un bon temps. Même s'il casse le moteur, ça ne fait rien, ça. Il a des bougies pour sol sec, hein. Faites attention, hein? Il ne rentrera pas. Combien? 2.34. Faites attention, il a des bougies pour sol sec, faut lui changer. Hein. Mais il est passé en 2.32.8? Non, il est bien, il est bien. Il est passé en 2.32.8? Oui, premier tour 2.32.8, moi je ne fiche rien du tout. Ah, il ne veut pas avancer, il est pénible. Hein. Combien? Elle tourne fort, hein, l'autre avec le toit blanc et la bande, elle tourne fort. C'est un bon temps pour prendre la voiture. Ouais, mais. Justement, ceux qui font un trop bon temps aussi, les moteurs cassent des fois, c'est ça? Il tourne en combien? La 21. Combien tourne la 21? Il est bien sorti là! Là, il sort bien de ce virage. Hein. Il est bien sorti là! Oui, oui. Allez, à la 1. Elle décida d'arrêter son mari pour changer les bougies. Je freine à 100 mètres. Donc quand j'arrive ici. Non, mais essaye, accélère même. Mais accélère, il monte plus. Je te dis, au freinage, je prends le freinage le plus long, il est à 100 mètres. Voilà, le plus tard possible pour gagner du temps. Bien, faut que je tourne, les gars. Mais tu vois, c'est une différence, là. Essaye en ligne droite, mais pousse jusqu'au bout. Mais je peux pas prendre plus. Après, le moteur s'étouffe. Quand j'essaie de prendre 8000. Tu ne connaissais pas? Ah non, mais il s'étouffe, il en... Et avec les nouvelles bougies, c'est vraiment elles marchaient mieux ce matin, on change les bougies. Oh, écoute-moi bien, t'as vu la voiture avec les deux ailes jaunes derrière moi? Oui, oui. Tu sais où il m'a eu, le mec? Eh ben, ce que tu vas faire, hein, la course, tu vas rouler bien, et après tu vas jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout. Oh, il faut arrêter. Essaye gars, de là. Prendre 8000 au moins. Et les bougies, c'est changé? Ça va? Enfin, si, je pourrais faire mieux, faudrait qu'il y ait un moteur qui soit... Ça, c'était fatal, ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te prêter une voiture au dernier moment? Faut partir du principe que je suis un mauvais, puis c'est terminé. Bon, non, mais t'es idiot, c'est pas toi, c'est la voiture. Parce qu'il y en a aussi, sûrement. Je devrais aller plus vite. Quelle que soit la voiture, je devrais aller plus vite. Ah.
les mécanos n'avaient pas terminé leur travail quand le directeur de piste arrêta les essais. Il n'y avait donc plus d'espoir. C'est con ça alors. Oh, vous excitez pas les mecs, hein? Quoi? Pas la peine de s'énerver, hein? Oh, mais on t'énerve pas, hein? Et bon, on la revend demain et on achète autre chose et puis c'est tout. Bosser des nuits entières pour ça, merde. Alain, elle pisse lui là. Ouais, on va aller sur lui.